Et là, nous rejoignons un autre aménagement cyclable. De l'avenue des États-Unis. Un aménagement cyclable sur l'avenue des États-Unis qui permet de se connecter à un autre aménagement qui vient d'être livré. Donc là, nous y arrivons, c'est juste à droite. Voilà, donc il faut traverser. Donc c'est direction Launaguet. Ça passe, ça y est. Qui est juste ici et qui permet après aussi d'aller sur Aucamville. Alors il y a un bout qui existe déjà, mais ça a été continué après. Nous avons ce tronçon qui existe apparemment depuis un moment sur l'avenue Salvador Allende et ça a été continué plus loin. Et ceci fait partie d'un tronçon du réseau express vélo 14. On voit qu'il y a un bout qui existe déjà et ça a été continué. Donc là nous avons une traversée. On note que la bidirectionnelle est d'un côté et le trottoir est de l'autre. Donc là, il y a bien une séparation piéton-cycle, même si on peut voir que côté piéton, le trottoir mériterait un petit rafraîchissement. Donc on peut voir que la peinture a été assez récente, tellement récente qu'elle a commencé à s'effacer avec les passages à pleine vitesse démotorisés.